Cut. T'as aimé celle-là? Ouais. Bonjour à vraiment tous. Bien. Le, seul truc. Le petit extrait que vous venez de voir est le résultat de différentes étapes. Premièrement, on a convié tous les membres de notre équipe afin de faire un brainstorming et de trouver une idée qui plaisait à tous les membres. Deuxièmement, on a inventé des personnages, on leur a attribué un caractère, on a pensé à leur mimique et on a poussé la chose jusqu'à leur habillement. Excuse-moi, il s'en est passé ensuite un jour de casting. C'est-à-dire qu'on a cherché les acteurs qui collaient au mieux aux personnages qu'on avait inventés dans le scénario. Dans 2 minutes, préparez-vous. Ensuite, un jour de repérage. C'est-à-dire qu'on a essayé de trouver les lieux qui collaient aussi le mieux avec le scénario qu'on avait écrit. Donc on a été dans 1, 2, 3 lieux et on a sélectionné le bon. Ensuite de ça, on rappelle tous nos acteurs. Et là, pendant une voire deux journées, on leur permet de s'entraîner sur le rôle pour qu'ils soient prêts au moment J, au moment de tourner. Ensuite, un jour avant le tournage, se passe un gros briefing avec l'équipe technique. C'est vrai que la vallée vers c'est la scène la plus... À 18h. C'est facile pour nous. Exactement. Mais, c'est après la soirée des uns. Au 10 lieu. Du coup, ils n'ont pas besoin d'avoir... On aime ce qu'on fait, on est motivé à le faire, mais tout a un coût juste pharaonique. Et pour ça, on a... On a réussi à s'autofinancer pour le premier et le deuxième opus. On est arrivé au moment clé et on a envie de tourner le troisième. On est motivé à le faire, mais pour ça, on a besoin de vous. On compte sur vous, merci. Merci à vous. Allez, on se retrouve.